Salut à toutes et à tous, c'est Kenji. Il y a à peu près 2 semaines ou 1 semaine, je ne sais plus comment exactement, je vous avais demandé quel était le char que vous détestiez rencontrer. Et bien vous étiez assez nombreux, même très nombreux à répondre. Le jeu c'était vraiment énorme. Cependant, il y avait vraiment une question qui me turlubinait. Pourquoi ces chars-là? C'est vrai que j'aurais dû poser la question un peu plus précisément. Mais pourquoi est-ce que ces chars vous les détestez? Parce que je compte en faire une petite vidéo assez spéciale au final, parce que certes on déteste ces chars, certes ils nous font rager. Mais ça serait quand même sympathique de le prendre avec un peu d'humour, après tout c'est qu'un jeu vidéo, donc voilà, donc donnez-moi dans les commentaires allez, on va dire les 5 chars que vous détestez rencontrés, le top 5, mis à part bien entendu Waffle Dragon, je l'avais déjà dit, mais je vous répète, on sait jamais. Et pourquoi, pour chacun des chars, pourquoi est-ce que vous les détestez? Parce que certains, donc on argue ont argumenté pourquoi est-ce qu'ils les détestaient, mais pour ceux qui l'ont pas fait, faites-le. Ça m'aidera beaucoup. Ça m'aidera beaucoup pour la vidéo, franchement. Voilà, même si pour certains chars, j'ai une idée, mais j'aimerais vraiment avoir l'avis de chacun et pas partir sur des idées fausses, en fait. Voilà, au final. Donc, je pense que vous aurez à peu près compris mon point de vue. Donc, cette vidéo est très courte. J'en suis sincèrement désolé, mais après, c'est le temps qui joue contre moi. Toute la journée de samedi, je n'ai pas été là, donc forcément, pour faire une vidéo, c'est pas du tout pratique. Cependant, les vidéos du mardi, du jeudi, vendredi, samedi, le mercredi, je ne sais pas, normalement seront là. Voilà, donc j'espère que cette très courte vidéo vous aura bien informé sur ce que je vous demande de faire. Donc ce sera bien pour lundi prochain, la semaine prochaine, jour pour jour. Et vendredi, bon oui, c'est vendredi, je vous montrerai comment installer Gnome Sound Mode, donc le mode de son historique que j'utilise pratiquement tout le temps sur World of Tanks sans passer par XEM. Voilà, enfin, par le XEM de Asselin. Voilà, donc, ouais, comme vous voyez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner et à passer une bonne journée. Allez, bye tout le monde.